Retour au saut de cheval avec cette fois-ci une concurrente très très sérieuse. Elle nous a surpris hier lors du concours général. C'est Hong Soo-young de la Corée du Nord. Et vous voyez, elle a des sauts d'une grande difficulté. 16,50. Oh là là, magnifique. Oui, elle s'est posée. C'est vraiment une très bonne spécialiste. Saut en renversement arrière suivi d'une double vrille et demie. Attention à elle parce qu'elle avait signé la meilleure performance hier de la finale du concours général avec une note de 14,900. Je me demande si elle n'est pas sortie des limites. Non, ça va. Un petit pas sur le côté, le saut était relativement propre. Regardez l'impulsion des bras, ici la phase d'envol, la double vrille et demi. Gymnaste arrive dos à la table de saut, maîtrise parfaitement la réception. Quelques petites fautes de jambes malgré tout, mais c'est un saut très complexe. Attention, attention, elle peut, pourquoi pas, aller chercher une médaille et briser un petit peu l'hégémonie chinoise. Je pense que cette note devrait être assez proche des 15. Oui, normalement, maintenant, reste à savoir si son deuxième saut va tenir la route. 15,500, oui, très bonne note. 15,500, c'est une très bonne note. C'est tout simplement la meilleure note pour l'instant obtenue dans ces Jeux asiatiques au saut de cheval. Puisque Cheng Fei avait eu une note de 15,250 en qualif. Allez, voyons si son deuxième saut est du même niveau. Attention, elle était tombée. 16,50. 16,50 aussi, sans doute un très gros saut. Yurchenko, demi-tour suivi d'une vrille et demie. Aïe, aïe, grand ce pas. Un petit peu vers l'avant, là, mais c'était quand même très, très dur aussi. Un saut en renversement arrière, un demi-tour avant l'impulsion des bras et une vrille et demie. Ah, ça va être juste quand même pour aller chercher la médaille d'or. Mais vous l'avez dit, Benoît, c'est un agrès où la faute est vraiment très très prompte à venir. Regardez l'amplitude et là évidemment. C'était juste assez bien rattrapé, ouais, le petit pas vers l'avant. Mais il n'y a rien de catastrophique. Regardez ici, le demi-tour, l'impulsion des bras et la rotation avant en vrille et demi, les jambes qui se fléchissent un petit peu. En tout cas, ce sont deux très gros sauts. Ah oui, c'est vraiment la révélation, on peut le dire, de ces Jeux asiatiques. Parce qu'elle est au niveau des Chinoises. Si elle n'arrive pas à gagner la première place, au moins sur le podium, ça c'est sûr. Oui, je pense que c'est acquis. Ouais. Avec là encore un 15, très probablement. 15-2, 15-3. Oui, en tout cas, pas plus d'un point de faute. Hein. 16-50 de note de départ. Encore des petits problèmes. Avec les machines, peut-être. En tout cas, on peut lire la satisfaction. Et bien voilà, c'est un peu sévère pour le deuxième saut. 14,975, 15,237.